Bonjour, je m'appelle Anouk et je travaille pour le service relations internationales de la ville d'Hérouville-Saint-Clair. Bonjour, je m'appelle Noré, je suis volontaire à la mairie d'Hérouville-Saint-Clair et je viens de Garbs en Allemagne. Alors, Hérouville, c'est une ville de 23 000 habitants juste à côté de Caen, dans le Calvados, en Normandie. Et Garbsen est une ville d'environ 500 000 habitants dans le nord-ouest du pays. Les deux villes sont partenaires depuis plus de 50 ans et font des projets ensemble, comme par exemple l'échange de jeunesse, mais aussi des échanges sportifs et culturels et des projets communs. Par exemple, en 2020, il y avait plusieurs projets prévus, comme un échange musical, donc des jeunes des écoles de musique devaient faire un concert ensemble, un à Hérouville et un à Garbsen. Et il y avait également un camp franco-allemand qui était prévu au mois d'août, où des jeunes des deux villes devaient se réunir en Ardèche pour faire un camp pendant 2 semaines ensemble. Ces projets ont été annulés en 2020, mais ils seront reportés en 2021 et 2022. En janvier, en organisant une saison franco-allemande du 18 au 31 janvier, on a prévu plusieurs manifestations en présentiel et virtuel, comme par exemple un café polyglotte, des défis en ligne sur Facebook, mais aussi des expositions et ateliers pour des jeunes. Sur ce genre de projet, nous travaillons avec différents acteurs du territoire, des associations, d'autres services de la ville et différents partenaires, comme par exemple le Café des Images. On travaille également actuellement sur un projet d'échange virtuel qui s'appelle Hashtag Gate. L'idée, c'est que des jeunes de toutes nos villes jumelles puissent échanger entre eux via différents biais, comme les vidéos, les photos, des visioconférences, etc. Donc nous espérons vous voir nombreux en présentiel et en virtuel sur nos différents projets. Retrouvez-nous sur le site de la ville hérouville.net, le site hashtag gate, donc gate-hsc.com ou la page Facebook hashtag gate-hsc. À bientôt.